reconnu très distinctement, comme autrefois j'avais soupçonné en montant à la lune, qu'en effet c'est la terre qui tourne d'Orient en Occident alentour du soleil, et non pas le soleil autour d'elle. Car je voyais ensuite de la France le pied de la botte d'Italie, puis la mer Méditerranée, puis la Grèce, puis le Bosphore, le pont Euxin, la Perse, les Indes, la Chine, et enfin le Japon, passer successivement vis-à-vis du trou de ma loge. Et quelques heures après mon élévation, toute la mer du Sud ayant tourné, laissa mettre à sa place le continent de l'Amérique. Je distinguais clairement toutes ces révolutions, et je me souviens même que, longtemps après, je vis encore l'Europe remonter une fois sur la Seine. Mais je n'y pouvais plus remarquer séparément les États, à cause de mon exaltation qui devint trop haute. Je laissais sur ma route, tantôt à gauche, tantôt à droite, plusieurs terres comme la nôtre, pour peu que j'atteignisse les sphères de leur activité, je me sentais fléchir. Je remarquais de plus que tout ce monde ont encore d'autres petits mondes qui se meuvent alentour d'eux, rêvant des puits aux causes de la construction de ce grand univers. Je me suis imaginé qu'au débrouillement du chaos, après que Dieu eut créé la matière, les corps semblables se joignirent par ce principe d'amour inconnu avec lequel nous expérimentons que toute chose cherche son pareil. Cyrano de Bergerac, L'autre monde, 1657-1662.